aujourd'hui j'ai décidé de venir faire un vlog, mais apparemment il y a du vent et puis il pleut encore. Voilà, il tombe des gouttes présentement. Il y a du vent, quand c'est comme ça, ça dérange. Tout ici là est rempli de véhicules comme si on est à Casablanca. La ligne du début jusqu'à la fin, les véhicules. Vous voyez ça? Donc ceux qui disent que moi je ne montre que les coins classe, ça veut dire que partout ici là, les coins sont classe. Voilà, même ceux qui vivent dans les coins classe là, ils ont travaillé dur, ou soit leurs parents ont travaillé dur pour mériter de vivre dans les coins classe. Par exemple moi comme ça, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore d'enfant. Pas parce que je ne veux pas, mais parce que je n'ai pas les moyens. Je ne veux pas que mes enfants souffrent comme je suis en train de le faire actuellement. Dans le foie. Je ne veux pas que mes enfants souffrent. J'ai un pays avec, on est honnête dans le pays, les citoyens du pays, ceux qui dirigent sont honnêtes, beaucoup de chance, ça applique sur la nation. Aujourd'hui, je découvre que sur la scène internationale, le Maroc est mieux placé. Voilà, raison pour laquelle ils peuvent avoir accès à des pays, même que nous, chez nous, on ne peut pas avoir accès à voyager. Donc, ce que j'ai constaté, que si le pays est désordonné, partout où on ira, ils vont nous refuser. Voilà, pourquoi ils vont nous refuser? Parce que ce qu'on fait chez nous, on veut faire toutes choses illégalement. Ici, là, j'ai constaté que beaucoup de nos frères anglophones, tout ce que j'ai, presque, je peux dire 90%, de nos frères que j'ai connus ici, ils ont tous goûté à la prison. À cause de quoi? Pourquoi ils ont goûté à la prison ici? Parce que quand ils sont arrivés, ils ont commencé à faire des choses qui ne sont pas bien. Ils oublient qu'ici, là, le système n'est pas comme chez nous. Le système n'est pas comme chez nous ici. Là, si tu fais quelque chose qui n'est pas bien forcé, là, la police, le service de renseignement ici, il est très puissant. Forcément, ils vont t'attraper. Donc ceux qui sont dans les lieux classe là, ils ont mérité, hein? Soit les parents ont travaillé dur aujourd'hui là, ils sont devenus les bénéficiaires. Donc il ne faudrait pas qu'on soit jaloux de ceux qui ont travaillé dur pour avoir quelque chose. Ma foi est basée sur l'honnêteté. Voilà. Fait du bien. Voici aussi les coins classe. C'est que presque tout le monde vit dans les coins classe. Ce que je vois encore dans la vie aussi, tous ceux qui sont contre le développement de nos pays, pour moi là, ils sont une bénédiction. Est-ce que je vois la raison pour laquelle on dit il faut prier pour ton ennemi. Prie pour ton ennemi.
Parce que c'est lui qui va te faire connaître. Il va faire ta publicité pour que les gens puissent mieux te connaître. Et il va venir voir ce que tu fais, c'est pas bien. C'est lui qui va être la première personne à aller te critiquer. C'est en faisant ça, tu auras aussi beaucoup de personnes qui vont aussi t'aimer et la vie continue. Je suis pris de voix. Magnifique clinique. Vous voyez les routes partout. C'est devant nous, ils ont fait tout ça. Devant nous, ils ont fait tout ça. Aujourd'hui, je suis dans la nouvelle clinique de Corica. Est-ce que c'est pas pour avoir comme ça? C'est pour vous dire que l'argent, c'est fait pour travailler. L'argent est fait pour travailler. Mettre dans les banques, puis s'asseoir dessus. Ça, ils ont pris tous ceux qui ont fait ici, là, tous ceux qui ont travaillé ici, ils ont eu du boulot, et ainsi de suite. Moi, ce que je sais dans la vie, c'est que on soit honnête dans tout ce qu'on fait. Souvent, même, il me dit que, ah, Dieu, pourquoi tu m'as pas fait, tu m'as pas fait une grande personne. Mais il me dit que peut-être que si j'étais une grande personne, il n'y en aurait pas vite longtemps. Parce que même, à cause de, parce que je suis honnête, là où j'étais avant, j'ai été tabassé pour ça. Un coup de poing sur mon œil. Parce qu'il a dit que quelqu'un qui, on travaille dans un restaurant, quelque chose qu'on vend par exemple, à 2000, puis il partait vendre à 2500. Et j'ai constaté. Parce que c'est moi qui étais le magasinier. J'ai constaté, je lui ai dit que, ah, mais si tu fais ça, que les gens fuient alors. Ils vont faire comment pour nous payer? Et le gars a trouvé ça que, il a trouvé ça mal. Il m'a fait parler pour ça. Vous savez, je veux dire que tout ce qu'on fait dans la vie, là, on paye. Forcé. Voilà, que tu fasses le bien, le mal. Tu payes. Parce que moi, je connais. Là, il pleut. De façon, il pleut ici là. C'est pas comme ça, hein. Chez nous, quand il pleut là, avec la force. Mais Dieu est bon, parce que de la manière il pleut chez nous, s'il pleuvait comme ça ici là, et ici la terre là, tout est caillou. Tout est caillou. Donc du coup, s'il pleut de façon il pleut chez nous, il y aura une inondation. Il n'y a qu'à créer sa terre là. Il connaît comment faire.
Donc je continue mon histoire. Une nation honnête a été toujours bénie. Parce que Dieu va utiliser des nations, d'autres nations, qui sont bénies, de bénir cette nation. Tout ça là, c'est les œuvres. C'est les œuvres de Dieu. Et le Maroc suit bien l'exemple. Si chez nous, on devient tous honnêtes, je pense qu'on ne va plus pleurer partout comme ça. Voilà. Parce que ici, là, déjà, là, la terre, là, il n'y a pas de pétrole ici. Parce qu'aujourd'hui, là, les pays qui se développent plus, c'est les pays pétroliers. Quand j'étais en Guinée équatoriale, j'ai vu comme ça, les constructions, grâce à la découverte de... à la découverte, pardon, du pétrole. Ouais. La nouvelle clinique de Corrigan. Clinique internationale de Corrigan. Je vais zoomer. Aujourd'hui, il y a un vent violent. Donc, désolé pour... Nous avons reçu de la pluie. Alhamdoulilah. Donc comme ça, j'ai fini la vidéo d'aujourd'hui. Je rentre à la maison. Donc, si vous avez aimé la vidéo, aidez-moi à aimer. Abonnez-vous et partagez. Comme ça. Souvent, je me demande que est-ce que tous les Marocains n'ont pas, ils ont tous, c'est comme si ils ont tous une voiture. Il y a trop de véhicules ici. Ah, c'est une grâce, hein? Tout ça, c'est les œuvres de Dieu. Tout ce qu'on fait dans la vie, là, que ça soit du bien, il y a une récompense. Ce pays mérite parce qu'il fait mieux. Pays mérite. Ici, là, ce qui me plaît ici, sont unis ici. La solidarité marocaine, quoi jouer avec, hein? Et ils ont compris. Souvent, quand il y a des choses qui arrivent, tu me dis non, Kata. Et ceux-là, ils ont fait une réunion ou bien. Les Marocains sont uniques, hein. Ils sont très uniques. Ceux qu'ils n'aiment pas parce qu'ils sont en train de montrer les points classe. C'est que partout, c'est classe, hein. Parce que là où moi, je suis là, c'est classe aussi. Mais c'est comme, ça représente pour moi comme. Le quartier de ceux qui même n'ont rien. Voilà. Donc.
est-ce que vous savez que souvent quand tu prépares tes sujets, Venise, tu sors, dès que tu y arrives, tu prends ton téléphone, tu oublies les sujets. Débutant. C'est pas facile, hein. Je pense que dans ce quartier-là, on appelle ça le quartier, c'est Dakla. Quartier Dakla Corrupt. La pluie commence à nous prendre sur ce secteur-là. Encore, voici un coin assez détente. Il sort comme ça de la clinique. Désolé de vous. Moi. Désolé de mon français. J'apprends. Je suis un apprenant. Non, je pense que pour aujourd'hui, là, c'est fini. Quelqu'un m'a dit d'aller dans un coin de pépinière au CP. Je ne sais même pas où c'est situé. Mais quand même, il vient me renseigner. Il m'a dit d'aller faire une vidéo là-bas. Mais je ne sais pas trop. Les gens vivent bien ici, passer par toutes ces classes. Hein. Donc les jaloux là, on doit aussi travailler pour les copier. On ne doit pas être jaloux comme ça. Partout dans les pays, c'est presque pareil. Hein. Même la mendicité que le Sénégalais me disait là. L'année passée, le Sénégal a refoulé les citoyens de la CEDEAO. Est-ce que le Maroc était malgré qu'il y en a, mais jamais que le Maroc a refusé quelqu'un dans son pays parce qu'il fait la mendicité ici. Je suis sous la pluie comme ça. Hein. Là, comme ça. Je vais à la maison. Donc comme ça, il y a fini la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, veuillez aimer la vidéo, partager, abonnez-vous et à la prochaine vidéo. Merci.